Vous voyez ça? Un écran de 128 pixels par 64 pixels contrôlé en I2C. Je vous présente ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Et oui, un écran de 128 pixels par 64 pixels contrôlé en I2C. Je me suis procuré deux petits écrans OLED que j'ai trouvé sur Internet qui sont de plus en plus populaires pour les hobbyistes comme vous et moi. Donc, je m'en suis procuré et on va les tester avec un Arduino. Pour les librairies, c'est super simple. Tout est déjà préprogrammé. On fait juste les tester aujourd'hui, voir comment ça fonctionne, si c'est simple l'interfaçage et comment on peut l'utiliser pour différents projets. Donc, j'ai deux petits écrans avec moi. Les deux fonctionnent en I2C, donc un qui est plus carré et l'autre plus rectangulaire. Les deux, en fait, celui-ci est 128 pixels par 64 pixels et celui-ci aussi fonctionne avec la même librairie. Donc, dans la vidéo, je vais vous montrer comment installer les librairies nécessaires avec Arduino pour faire fonctionner l'écran. Ensuite, on va faire quelques branchements, simplement quatre branchements, puisque l'écran a simplement VCC Ground et SCL SDA, donc pour le port I2C. Et ensuite, on va faire simplement une vérification générale de l'écran, comment ça fonctionne et comment c'est facile d'intégrer des nouvelles fonctions, écrire du texte, écrire, faire des images, etc., pour pouvoir l'utiliser dans des projets ultérieurs. Donc, nous voilà dans la partie programmation de l'écran OLED. J'ai trouvé un petit article sur Internet très, très bien détaillé qui explique vraiment l'entièreté du processus pour programmer l'écran I2C. Je vais y aller avec vous tranquillement, étape par étape, pour bien configurer l'écran, s'assurer que les librairies sont bien installées. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'écran fonctionne très bien avec Arduino puisque les librairies sont déjà fonctionnelles, sont déjà été créées, ont déjà été testées. Donc, on descend. Le lien est nécessairement, le lien est dans la description de la vidéo. Vous n'avez pas nécessairement à le retaper et suivre exactement toutes les instructions. Je vais y aller avec vous pas à pas. Donc, simplement connecter premièrement branchement de l'écran sur le Arduino. On va utiliser dans notre cas un Arduino Uno. Donc, on a quatre fils à brancher dans tous les cas. L'alimentation, soit le 5 volts et le ground, et le SCL SDA. Dans ce cas-ci, pour ce qui est du projet d'aujourd'hui, la librairie exemple qu'on va tester, on va brancher le SCL sur l'analogue 5 et SDA sur analogue 4. Et comme vous voyez ici, on a un visuel plus graphique de où on branche quelle broche de l'écran sur le Arduino. Donc, comme vous voyez, les branchements, c'est très simple. Il y a simplement quatre fils, donc ça ne devrait pas être compliqué à ce niveau-là. Le petit écran qui est rectangulaire se branche aussi de la même façon. En fait, les deux écrans sont exactement pareils. C'est seulement la dimension de l'écran qui change. Même l'adresse physique de l'écran est la même. On va revenir un peu plus tard là-dessus. Donc, maintenant, il faut installer les librairies dans l'interface Arduino. Donc, on va aller, je vais mettre ça ici de côté et on va ouvrir Arduino. Donc, j'ai une page Arduino ici et on va suivre les instructions. Donc, on va dans Sketch, Include Library, Manage Libraries. Donc, on s'en va ici directement ici, Include, Manage. Et il va y avoir la fenêtre qui va nous permettre de sélectionner et de télécharger les librairies nécessaires pour faire fonctionner l'écran et afficher des graphiques, du texte, des points, etc. Donc, tout ce qu'on va afficher sur l'écran va être disponible parmi ces librairies-là. Donc, la première, c'est SSD 1306. Donc, on écrit SSD 1306. Et ça va être celle-là ici qui s'appelle Adafruit SSD 1306 by Adafruit. Donc, nécessairement, comme vous voyez, il y en a beaucoup d'autres aussi qui vont faire la même chose. Par contre, moi, j'ai testé celle-là ici qui fonctionne très bien. Et j'ai pas eu de problème non plus à sélectionner, à utiliser cette librairie-là. Donc, la version, vous pouvez prendre la version la plus récente. Ça va très bien fonctionner et puisque nécessairement ils ont corrigé la plupart des bugs, soit la plupart des erreurs qu'il y a pu avoir dans les versions précédentes, et vous cliquez sur Install qui va installer votre librairie. Ensuite, on va installer la librairie GFX, comme il est mentionné ici, qui va plutôt gérer, puisque SSD 1306 va plutôt gérer vraiment la communication avec l'écran, tandis que la librairie GFX, qu'on va essayer de rechercher maintenant, va gérer tout ce qui est plus graphique. Donc, tout ce qu'on veut afficher, par exemple, des images, des lignes, du texte. Donc, ça va être vraiment cette librairie-là qui va s'occuper de gérer tout ça.
Donc, comme vous voyez, elle s'appelle Adafruit GFX Library by Adafruit. Encore là, simplement utiliser la version la plus récente, ça va très bien fonctionner. Et comme c'est marqué ici, ça gère tout ce qui est graphique. Donc, vous pouvez même utiliser cette librairie-là pour toutes les autres sortes d'écrans que vous voulez contrôler, que ce soit des écrans plus grosses ou de plusieurs couleurs, parce que ça, c'est un écran monochrome. Mais si on veut utiliser différents affichages pour plusieurs écrans, cette librairie-là, je pense qu'elle est assez généraliste, donc on pourrait l'utiliser pour plusieurs autres types d'écrans et ça fonctionnerait très bien. Donc encore là, on fait install. Dans mon cas, je pourrais aussi la mettre à jour puisque, comme vous voyez, une nouvelle version qui a été sortie depuis la fois que je l'ai installée. Puisque moi, j'ai 1.5.7 et comme vous voyez, il y a 1.6.1. Donc, je pourrais être plus à jour, mais je sais que celle-là ici fonctionne très bien, donc je ne vais pas faire la mise à jour maintenant. Donc, une fois que c'est installé, on ferme tout ça. Donc, c'est recommandé de redémarrer l'interface Arduino. Donc, dans mon cas, moi, j'ai pas à le faire puisque les librairies sont déjà installées, mais simplement fermer Arduino et rouvrir à nouveau, revoir cette page-là et les librairies devraient être fonctionnelles. Donc, par la suite, on va aller dans File, Examples et on va se diriger dans le bas ici. Et comme vous voyez, il y a ces deux sous-onglets-là qui sont apparus, qui vont nous permettre de nous donner des exemples par rapport aux deux librairies qu'on a déjà pré-téléchargées. Donc, dans notre cas, on va utiliser SSD 1306 et on va aller chercher SSD 1306 128 par 64, donc 128 pixels par 64 pixels, ce qui correspond à notre écran OLED qu'on a sur notre protoboard, en fonction de notre plaque d'essai avec l'Arduino. Et il est marqué I2C, donc c'est notre cas, donc ça fonctionne avec SDASCL. Probablement que certains écrans fonctionnent en SPI aussi, donc il y a vraiment les quatre modèles, soit 128 par 64 pixels en I2C ou en SPI, ou en 128 par 32, donc un écran un peu plus étroit, en I2C ou en SPI. Donc on a vraiment les deux options. Dans notre cas, on va sélectionner celle-là ici, 128, 64, I2C. Lorsqu'on clique là-dessus, ça va nous donner un projet d'exemple. Donc, je vais ouvrir ici. Et c'est vraiment un exemple fonctionnel qui vient avec la librairie, qui a déjà été testé et qui fait comme une démo de ce que la librairie peut faire. Donc, c'est ce qui nous intéresse pour aujourd'hui parce qu'on veut tester vraiment si l'écran fonctionne et on veut tester les capacités de cet écran-là. Donc, lorsqu'on ouvre cet exemple-là, il y a deux petites choses à changer dans le code pour que ça fonctionne avec l'écran qu'on a, présentement. Deux petites choses, c'est ça ici. Premièrement, le OLED Reset, on va utiliser, comme le commentaire le dit, ou moins 1 si on partage la broche Reset du Arduino. Donc, on va écrire tout simplement moins 1. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va utiliser le bouton physique Reset sur l'Arduino pour redémarrer le programme à zéro, pour, par exemple, refaire l'affichage, remettre à zéro, etc. Donc, on va vraiment utiliser le bouton Reset physique. Deuxième des changements, c'est le plus important, c'est l'adresse I2C physique qu'on veut utiliser pour la communication avec l'écran. Donc, comme vous voyez aussi au début, on fait un serial begin, mais ça c'est par série. Et ici, on va faire l'initialisation, donc display.begin, c'est l'initialisation en I2C de notre écran. Donc, comme vous voyez, il est marqué, ça ici c'est l'adresse, donc adresse 3D pour le 2864. Dans mon cas à moi, il est là la différence, c'est 3C. Faut faire attention. Même que derrière l'écran, il est marqué que l'adresse c'est 0x78, tandis que ici dans mon code, je marque 0x3C. Ça, c'est dû simplement à une différence entre l'écriture. Certains manufacturiers vont écrire l'écriture sous forme de 7 bits, d'autres sous forme de 8 bits. Donc, au bout de la ligne, c'est la 0x78 et 0x3C. Pour l'adresse de communication I2C, c'est la même chose. Faut vraiment faire attention. Si je marque 0x78 ici, ça ne fonctionnera pas parce que la fonction dans Arduino prend l'adresse sous ce format-là. Par contre, sur le circuit, il est marqué 78, mais faut faire attention parce que c'est vraiment 3C qu'il faut écrire dans notre programme. Donc, parce que si par exemple j'avais écrit 3D comme il était initialement, j'aurais essayé de compiler. Mon écran aurait resté noir puisque
Mon Arduino et l'écran n'auraient pas pu communiquer ensemble. Il n'y avait pas la bonne adresse. Donc, on écrit 3C et tout simplement, on va compiler et envoyer notre programme dans l'Arduino. Comme vous voyez, il y a aussi une protection. Si il y a un problème avec l'écran, il va afficher dans le port série. Donc, on a simplement à afficher le moniteur série et on verrait par exemple ce problème-là si l'écran réussit pas à s'initialiser correctement. Et comme vous voyez ici, on a une boucle for infinie. Donc encore là, si l'écran réussit pas à s'initialiser, le reste du programme ne s'exécute pas. Donc, on va faire un premier test. Je vais simplement compiler et envoyer le programme pour s'assurer que tout compile bien, qu'il n'y a pas de problème et que le programme est bien envoyé sur mon écran. Donc, effectivement, l'écran fonctionne très bien en ce moment. Le programme a été bien lancé. L'écran affiche plusieurs formes, plusieurs symboles pour m'indiquer que ça fonctionne bien. Il essaie de faire plusieurs jeux avec des images, des lignes, des points, etc. pour me dire, pour vérifier tous les paramètres et la librairie, en fait, que ça fonctionne bien. Comme vous voyez, c'est pas très compliqué à faire fonctionner. Faut se rappeler, faut juste voir et comprendre la librairie puisque display, ça fait un refresh. Donc, il va toujours falloir utiliser cette commande-là à chaque fois qu'on veut mettre à jour l'écran. Par exemple, on affiche du texte, il faut faire ensuite display pour faire un refresh de l'écran pour s'assurer que le texte s'affiche. Si on affiche une image, faut encore faire là. Donc, à chaque fois qu'on fait une instruction de changement de texte, par exemple, on refait la commande display pour mettre à jour l'écran, peu importe que ce soit du texte, des images, etc. Il y a la fonction de base qui s'appelle Clear Display qui est assez explicite, on va simplement effacer tout ce qu'il y a sur l'écran. Draw Pixel, ça va dessiner un seul pixel à la coordonnée 10, 10, soit le pixel 10 en X et 10 en Y et on y donne la couleur. Et encore une fois, display pour afficher. Donc ici, par exemple, on aurait effacé l'écran, affiché un pixel et on aurait fait un refresh. Donc on aurait rafraîchi l'écran pour afficher le pixel. Parce que si on y va étape par étape, ici on efface l'écran, on dessine le pixel, sauf que le pixel est toujours pas dessiné sur l'écran. Il va falloir attendre à cette instruction-ci pour dessiner le pixel et ensuite un délai de 2 secondes. Donc, on va continuer avec la librairie. Donc, c'est simple. Au bout de la ligne, vous allez voir, c'est souvent assez intuitif. Donc, ensuite, le programme de test, il va, comme c'est dit, à chacune des lignes, il va dessiner des lignes, des rectangles, remplir les rectangles, dessiner les cercles, remplir les cercles, etc., etc. On va même dessiner, écrire des caractères. Donc, ça, c'est souvent utile. Souvent, dans ces écrans-là, on va vouloir écrire, si on veut l'utiliser comme affichage, on va vouloir écrire par exemple une tension, une température, une humidité, on va vouloir écrire des données, par exemple la vitesse d'un moteur, etc. On va vouloir souvent utiliser du texte, donc c'est intéressant d'aller voir cette fonction-là, comment elle fonctionne, donc comment elle réussit à écrire du texte sur l'écran. Ensuite, on a du texte qui défile, donc ça aussi, ça peut être intéressant. On va afficher une image aussi, ça aussi, ça peut être intéressant. Afficher un logo, par exemple, animer le logo ici. Donc, c'est toutes des fonctions qui sont assez intéressantes qu'on peut exploiter avec cet écran-là. On va aller voir par exemple une assez intéressante. Donc on va celle-là qui dessine un caractère, donc et qui écrit du texte. Donc on va étudier la fonction test draw character. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça va écrire du texte tout simplement. Ce qui est vraiment très pratique en fait pour ce type d'écran-là. Souvent on utilisait les écrans à LCD à caractère pour écrire du texte et température aussi. On va utiliser cet écran-là aussi, probablement de la même façon. Par exemple, par contre, c'est un écran graphique, donc ça s'interface différemment. Donc, première étape, on va effacer l'écran. Ensuite, on va mettre à jour la taille de l'écriture. Soit par exemple, ici, on met 1. Donc, comme le commentaire le dit, c'est 1 pour 1. Donc, un pixel. En fait, le texte va être par rapport à un pixel. Tandis que si on pourrait mettre 2, 3, 4, 5, c'est pas référencé par exemple dans les éditeurs de texte, on va mettre 13 pour 13 points. Là, c'est vraiment un ratio par rapport à la taille du pixel. Ensuite, on va mettre la couleur de notre texte. Par exemple, ici, c'est blanc. Ensuite, on va positionner le curseur à 0,0, c'est-à-dire dans le coin gauche de l'écran, pour commencer à écrire le texte. Donc, souvent, on écrit dans le coin en haut à droite, à gauche, pardon, d'une feuille en descendant. Donc, c'est le cas ici aussi. On pourrait, par exemple, commencer à écrire notre texte en plein centre de l'écran. Donc, on pourrait faire
128 divisé par 2 puis 64 divisé par 2. Donc, on pourrait afficher notre point à 64-32 pour commencer à écrire notre texte au milieu de l'écran. Ensuite, ça ici, c'est pas très intéressant. On va laisser comme ça. Et ici, c'est la partie qui est la plus importante pour écrire notre texte. Donc, comme vous voyez, c'est un boucle for avec tous les éléments qu'on veut écrire. Donc, dans ce cas-ci, il va simplement écrire les chiffres de 0 à 256 en caractères. Donc, nécessairement, 0, c'est un caractère. C'est pas, on ne va pas écrire le chiffre 0. Donc, nécessairement, ici, c'est vraiment un paramètre de caractère qui va entrer. Donc, on rentre un chiffre. Donc, ici, c'est un entier 16 bits et qui va nous transférer ça en caractère. Donc, la fonction DisplayWrite, on ne peut pas y envoyer une chaîne de caractères. Il faut y envoyer caractère par caractère pour écrire notre message, pardon. Ça, c'est une façon de le faire. Et ensuite, on fait display pour afficher tout ça. Donc, on prépare l'écran et seulement à ce moment-ci, on affiche notre message en entier. La deuxième façon d'écrire du texte plus intuitivement et plus simplement, c'est y aller par des chaînes de caractères. Donc, encore une fois, ici, c'est une autre fonction, mais comme vous allez voir rapidement que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Parce qu'encore une fois, tout comme en haut, on met à jour la taille du pixel. Ensuite, on met la couleur de notre texte qu'on va avoir. On met le curseur à 0,0, c'est-à-dire dans le coin en haut à gauche. Et pour écrire le texte, au lieu d'y aller caractère par caractère, on y envoie une chaîne de caractères, soit en utilisant println. Exactement comme on utilisait dans le port Siri, lorsqu'on veut communiquer dans un port Siri Arduino, on utilise serial.println. Donc, print avec un retour, avec un new line. Donc, un retour de caractère sur la prochaine ligne. Donc, on va écrire Hello World, par exemple, dans cet exemple-ci. Le F ici, c'est simplement dire pour que la chaîne de caractères ici soit enregistrée dans la mémoire flash. Donc, ça va prendre moins de mémoire interne pour storer cette chaîne de caractères-là. Donc le petit F ici va simplement nous dire que la chaîne de caractères ici va être enregistrée, va être stockée dans la mémoire flash. Donc ça va prendre beaucoup moins d'espace dans la mémoire ROM pour notre programme. Donc c'est utilisé. Donc on pourrait le mettre, on pourrait l'enlever. Ça va être simplement pour probablement accélérer l'écriture et les exécutions et sauver de la mémoire parce que l'écran seulement à lui prend beaucoup de mémoire. Donc, comme vous voyez ici, on peut le voir, espace de mémoire 63%. Donc, 63% simplement pour la librairie d'écran, l'affichage, puis tout ça. Si on venait à un programme complexe, en plus de ça, nécessairement la mémoire va être facilement dépassée. Donc, on peut utiliser ce genre de symbolique-là pour limiter la mémoire utilisée. Donc, comme vous voyez, println ou ici juste print et ensuite un println. Donc, c'est vraiment la façon la plus simple d'écrire du texte sur cet écran-là. Les autres fonctions, je n'irai pas en détail avec vous nécessairement. Comme vous voyez, c'est souvent du pareil au même. Les fonctions sont assez explicites. Donc, start scroll right. Donc, comme ça dit, ça commence à dérouler le texte à partir de la droite, arrêter le texte déroulant à partir de la gauche, etc. Les fonctions sont assez explicites en elles-mêmes. Celle-là, ici, par exemple, on pourrait connaître c'est quoi la largeur de l'écran, c'est quoi la hauteur de l'écran, si on utilise un écran de différentes tailles. Donc, tout simplement, c'est des fonctions qu'on va utiliser comme on utiliserait n'importe quelle fonction n'importe quelle librairie Arduino. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et laissez des commentaires en dessous de la vidéo. Et j'ai aussi mis les liens dans la description de ces deux écrans-là pour que vous puissiez vous les procurer et même les intégrer dans vos futurs projets. Comme vous avez vu, c'est super simple à intégrer, surtout si on utilise l'environnement Arduino puisque les librairies sont déjà existantes. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci!